Salut à toutes et à tous, c'est Lassio et bienvenue pour ce nouvel épisode de Prince of Persia, The Sands of Time. Donc, toujours avec le prince de Perse, on se retrouve là où nous nous sommes laissés la dernière fois. Et là, vous le voyez, le prince patiente et attend que nous passions à l'action. Et justement, partons à l'action pour aller récupérer toujours comme objectif cette nouvelle épée qu'on n'a pas encore justement récupérée. Donc, qu'on a aperçue. Et ça ne devrait être qu'une question de temps avant qu'on puisse aller justement la chercher. Donc avant tout, on va aller devoir chercher la petite barre qui se trouve en haut et qu'on ne voit plus malheureusement. Donc je sais pas trop où mettre le meuble. Par contre, est-ce que je devrais par exemple... Je suis en train de me poser la question. Est-ce que je vais le mettre tout en dessous? Est-ce que je vais le coller après le mur? Question de courir ensuite. On va essayer. On va voir un peu qu'est-ce que ça va donner. De toute manière, j'ai la dague qui est plutôt en bonne condition présentement. Donc, il n'y a pas de souci à se faire pour savoir si je vais avoir amplement de sable dans le cas où ça ne fonctionnerait pas. Mais bon, finalement, ça a fonctionné. Et donc là, cette fois-ci, on va aller chercher. Voilà. Le poteau. Je crois distinguer cette lueur dont vous parliez. Faites attention! Et je suis en train de me demander également, est-ce qu'il va y avoir une autre petite phase de combat ou est-ce que ça va rester tranquille? Oh! D'accord, j'étais surpris un peu. Je croyais que j'allais réussir à, je sais pas, m'accrocher un peu à la barre. Justement, non. Non, le prince a dit qu'il n'avait pas besoin de la barre. Donc là, allez, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a une porte qu'on ne peut malheureusement défaire, mais quand cela ne tienne quand même... Et bien voilà, nouvelle petite épée de récupérer. Rien de bien génial quand même. Juste un petit peu d'essai. Voilà, ça c'est fait. Donc oui, juste quelques petits coups d'essai de la part du prince. Et donc justement, on devrait être bon pour, voilà, défaire les murs et pouvoir continuer l'aventure. Rappelez-vous, on avait justement au rez-de-chaussée, si je peux l'appeler ainsi, un mur qu'on pouvait défaire de la même façon. Et donc là, on va aller se chercher à nouveau notre petit bonus de vie. En plus de ramener notre barre quand même à 100%, on va pas cracher là-dessus quand même. Donc allez le prince, tu bois, cul sec. Et voilà, encore une fois, la petite barre qui s'extensionne, ça fait plaisir quand même à voir. Et donc là, il reste plus qu'à aller démolir cette porte ici. Voilà. Ensuite, l'autre. Farah, où est l'autre? Vas-y, Farah, vas-y. Le mec, quoi. je crois que c'était par ici. Voilà, on voit déjà le petit trou de lumière pour nous indiquer quand même que c'est celle-ci qu'on doit simplement démolir. La même épée. Donc là, quand même, j'avoue qu'on s'en vient assez profond dans le palais. Ce palais a été bâti sur les ruines d'un autre, plus ancien. Mais je pensais qu'il s'agissait d'une légende. Et maintenant, que faisons-nous? Ouais, là c'est le cas de le dire, on est plutôt dans un coin de catacombes. Donc là par contre, on va aider Farah. Et évidemment, c'est pas Farah qui va venir nous aider ici. Donc justement, on vient chercher cette plateforme qu'on va avoir de besoin d'ailleurs. Et Farah, elle va pouvoir se glisser. Voilà, derrière le petit trou comme d'habitude. Farah qui a le chemin facile, elle. Donc là, nous, on va aller tout simplement poser justement, voilà. Puisqu'on va avoir besoin pour sauter. Et qui plus est, une autre petite phase de plateforme. Bon, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, pour me diriger, je crois que je dois sauter jusque là-bas. Est-ce que je peux me rendre quand même? Allez, le prince. Oui, parfait. Donc, cette fois-ci, est-ce que je dois encore une fois? Non.
J'étais prêt quand même. J'étais prêt de me lancer. Là, je me suis quand même vite calmé. Je me suis dit non. Je crois pas me rendre quand même. On va se calmer un peu. Là, ensuite, d'accord. Je dois descendre par ici. Donc là, déjà, peut-être que certains voient le chemin se dessiner devant nous. Donc là, allez. Petite phase de saut. Ah, c'est quand même stylé, hein. Quand même sauter sur les murs de cette façon. J'avoue que je me répète, à chaque épisode, je rajoute toujours le petit, voilà, la petite phrase. Ah, c'est tellement stylé, mais il a la classe quand même, ce prince, et je trouve ça dommage qu'on ait plus de suite, tout simplement, de Prince of Persia, que ce soit sur même si le créateur a dit que ce n'était quand même toujours pas mort du côté des Prince of Persia. Donc là, cette fois-ci, pour redescendre, on doit tout simplement, voilà, se laisser tomber jusqu'ici. On fait le petit tour. Et donc, oui, parlons-en quand même un tout petit peu. Il y a quand même quelques rumeurs concernant un nouveau Prince of Persia sur Next Gen, donc Xbox One et PlayStation 4. Évidemment, selon moi, le jeu sera également disponible sur Xbox 360 et PlayStation 3. Je crois pas que cette génération de consoles est morte. Et donc... Oh, vous voilà. Oui, Farah, me revoilà. Donc, oui, effectivement, je crois pas que cette génération de consoles est morte. Et donc, pour l'occasion, j'ai quand même hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont en tête pour... Et là, je sais pas, je continue à tourner toujours. Ah, d'accord. Voilà, ça c'est bien. Donc là, il y a quelques scarabées, on va s'amuser avec eux, hein. Il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau. Oh, est-ce moi où je fais davantage de dégâts quand même? Ah, ça fait plaisir. Oh, le maxi combo! Prince of Persia représente eSport. Donc, oui, effectivement. Donc, ouais, je parlais justement des petites rumeurs qu'il y a concernant un nouveau Prince of Persia. Regardez, une tissue. Sincèrement, je serais vraiment curieux de voir ce qu'il nous pondrait comme nouvel épisode. J'avoue, juste de savoir que la licence n'est toujours pas morte, ça me fait quand même poser quelques questions. Je vais pas vous le cacher. Là, je sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Il n'y a pas moyen de s'accrocher. Ah, d'accord. Ah, d'accord. La plateforme, quoi. Donc là, on va juste reculer le temps un maximum. J'espère, par contre, ça va être chaud quand même. Ça commence à être long comme petite période. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc là, bon. Est-ce que la plateforme va revenir, s'il vous plaît? Merci. Voilà. C'est ce que je voulais. Là. Ah, merde. Dommage. Je voulais m'essayer de courir sur ce mur. Je suis là. Hop, 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 hop. Est-ce que j'aurais dû geler le temps? Je crois pas. Voilà, ça s'est fait, mais merci. Ah, c'était Farah, finalement. Vous avez réussi. J'avais pas remarqué. Moi, je croyais que la plateforme allait se reformer, alors que là, je sais pas. Ah, c'est bon. Il y a eu une petite période où le prince ne voulait plus bouger. Donc, oui, je croyais que, tout simplement, cette plateforme allait, avec le temps, se refermer, etc. Mais finalement, non. Non. Donc là, ici, bon, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, quelques monstres. Ben écoutez, ça va rajouter un peu de piquant. Et donc, quand même, si je continue un peu à parler de la licence, j'avoue que je suis un grand fan de cette trilogie qu'il y a eu sur cette première génération, quand même, de Xbox et la deuxième génération du côté de la PlayStation. Mais quand même, je dois avouer que j'ai pas été fan des reboots qu'il y a eu par après. Donc, c'était The Forgotten Sands qu'il y a eu, je crois. Donc là, le héros, déjà, de un, moi, juste voir que le prince avait changé, ça m'a saoulé. Sincèrement, c'est vraiment vrai. Là, je crache un peu sur les deux autres jeux qu'il y a eu. Donc, il y a eu un Prince of Persia, je crois, tout court. Rien d'autre dans le titre. Donc, à voir de ce côté aussi, lui, qu'est-ce qu'il allait donner. Je crois que, bon, le prince était assez énormément changé, même. Donc, on passait dans des graphismes un peu en cel shading. Donc, je vais finir par l'avoir quand même. Et donc, oui, effectivement, les graphismes étaient quand même hautement changés. Alors que la Farah... Ah, d'accord. Je suis mieux de reculer un peu parce que la Farah, elle est un petit peu trop proche. Et ça m'embête quand même. Donc là, allez, venez voir papa, s'il vous plaît. Et donc, oui, j'avoue que je crache un peu sur les suites qu'il y a eu par après. Là, je sais pas pourquoi, je continue toujours à aller appuyer. Alors que là, je pourrais en théorie quand même éviter quelques dégâts. Mais là, oh là là, c'est difficile. Donc là, alors que là, il y a Farah qui va peut-être mourir, malheureusement. Oh!
Toi, allez, tu tombes. Chara, t'es mieux de résister quand même. Voilà, ça c'est fait. Ça devrait être le dernier théoriquement. Ça se confirme? Oui, non, peut-être. La réponse est non, ça va continuer encore un tout petit peu. Et ben voilà. Et ben voilà. Donc, je le savais. Je me disais. Je m'excuse, mais c'est faux. Oui, ce n'est pas ainsi. On va réessayer, malheureusement. Ah, c'est bon. Au moins, j'ai pas à tout me retaper quand même. Ah, bien. Et moi qui me bourre encore une fois, je fais la même erreur que tout à l'heure. Et donc, ouais, quand même, je serais curieux d'essayer les nouveaux Prince of Persia. Quand même, par curiosité, surtout parce que j'aime la licence. Peut-être que je crache, évidemment, pour rien sur les deux derniers opus qu'il y a eu. Mais quand même, je dois avouer qu'ils se sont éloignés de un, du concept, mais de deux aussi, de l'apparence du prince. Et ça s'explique plutôt mal. Dans la trilogie, ils ont quand même essayé de l'expliquer, de donner leur raison, mais je sais pas, j'étais pas convaincu du tout, alors que là, il devrait y en avoir d'autres. Voilà, allez, venez, 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 venez. Et donc, oui, justement, ça serait quand même à voir, et peut-être parce que, bon, pour ceux qui ne le sauraient toujours pas, je crois que c'est même plus un secret de polichinelle quand même, dans le sens où je compte. Ah, alors là, lui par contre, merci, hein, t'as quand même, tu m'as quand même aidé à tuer ton pote, et donc, là, voilà, lui, là, lui, ah non, lui par contre, je voulais pas le geler au départ, je voulais pas le geler, mais bon, c'est pas grave. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, c'est chaud, c'est chaud. Et donc oui, ce que je disais, c'est pas un secret de polichinelle, comme quoi j'ai l'intention de faire la trilogie, justement, donc ce Sand of Time, le Warrior Waiting et The Two Thrones. Donc vraiment, ça annonce quand même du, je sais pas si je peux dire du lourd, mais ouais, quand même, quand même, quand même. C'est surtout le 2, moi, que j'ai hâte de vous montrer, le Warrior Waiting, qui est vraiment mon opus préféré. The Two Thrones, il était bien quand même, mais je sais pas, il y avait un petit quelque chose néanmoins que... Ah là 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 là, j'espère que je vais pas mourir quand même. Non mais tu vas me lâcher les grappes quoi, merde. À la fin. Voilà, c'est quoi. Venez m'aider. Là, il y a Farah encore une fois qui va nous... qui va mourir, je sens. Ah là là, je dois aller chercher l'eau. Non, toi. Allez, toi, tu t'en vas. J'avoue que c'est... Ouh, c'était chaud. Non. Oh, oh non. Ouh, heureusement. Heureusement, heureusement, heureusement. Ah, j'avoue, par contre, j'y avais pas repensé à utiliser le temps dans ces cas. Donc là, allez, on va se reculer quand même un peu. Ah, mais il y en a toujours, mais ça n'arrête pas, bordel. Là, ma jauge qui est vide, malheureusement, je ne peux plus... Je ne peux plus en geler, si je peux dire ainsi. La Farah, ça serait le temps, quand même. Si tu pourrais me sortir quelques flèches. Alors que là, le jeu, il y a eu un moment de surexcitation. On a vu le jeu se mettre à aller hyper rapidement. Voilà, toi, tu vas pouvoir me lâcher un tout petit peu. Et... Oh, t'es sérieux? De nulle part, le mec. Non! Non, le prince! Non! Ah, malheureusement, malheureusement, malheureusement. Ça, c'est le genre de choses, par contre, que je dois avouer, c'est regrettable. Non, non, ça arrive, et donc, bon, mais je vais devoir recommencer. Non, mais tu parles d'un truc, quand même. Mourir simplement ici. Bêtement, en plus. C'est bien ce qui me frustre le plus. Donc, donc là, allez, quand même, je vais me concentrer un tout petit peu. J'avoue que cela, le fait de ne pas pouvoir sauter par-dessus... Je vais pas vous le cacher, ça me fait quand même un petit peu, voilà. Question de rester poli. Allez, toi, c'est fait. Donc, est-ce qu'il y en a un autre dans mon dos? Non, c'est bon. Mais ils vont pas tarder. Ça, par contre, on va le casser. Allez, casse, casse, casse. Voilà, ça va nous rajouter un petit peu plus d'espace quand même. Ah, non, dommage. Dommage, dommage, dommage. Il y a eu un petit problème de ciblage alors que là, eux... Ils ont eu la belle vie quand même. Il veut pas. Non, il veut pas. J'étais en train de me dire si je pourrais pas sauter par-dessus. Ah! Voilà, ça c'est bon. Là j'ai pas le choix, mais je dois.
protégé quand même. Oh, merci aux compatriotes quand même qui est venu m'aider. Alors que là, Farah, une petite flèche, Farah. Non, d'accord. Non, j'aime mieux pas trop filer sur Farah. Non, mais c'est un truc de dingue quand même. Parce que je suis en train de me dire, si ici, j'ai de la misère avec ce léger combat, je vous jure, c'est pas fini. Sincèrement, il m'attend un assez gros combat vers la fin du jeu. Ça va être un truc de ouf, un truc de taré. J'aime mes potes qui, sincèrement, lorsque j'y avais protégé à l'époque, étaient venus me voir et là, ils me disaient non, mais sincèrement, faut que tu m'aides. Je suis mais pas capable du tout de me faire ce passage. Et donc, pour l'occasion, j'ai hâte de voir un peu qu'est-ce que ça va donner avec vous. Donc c'était un peu pour ceux qui connaissent, parce qu'il n'y a pas vraiment du poil quand même à savoir. Et puis c'est quand même un vieux jeu aussi. Et donc oui, c'était un passage où on est un peu dans un ascenseur. Il y a plein de gros boss d'une certaine façon, de gros monstres où on peut difficilement sauter par-dessus. Bref, ça dure un assez long moment. On a justement Farah qui nous aide quand même un peu à distance, comme présentement. Sauf que les monstres, pour une raison quand même que j'ignore toujours, ils sont extrêmement attirés quand même sur Farah. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement chaud comme combat, alors que là je devrais... Ah c'est bon, il a raté son coup. Là lui par contre on va juste, voilà, question de l'attirer un peu. Et... Non, vite. Voilà, oh joli. Ah parfois avec le prince c'est stylé quand même. Ah oui, je me répète encore mais... Oh, le dernier. Ah, enfin. Ça aurait été un truc de taré si j'aurais pas réussi quand même au final. Donc, allez, petit point de sauvegarde en plus. Donc ça va faire du bien. Donc ne vous inquiétez pas, l'épisode n'est pas terminé ici. J'ai vraiment l'intention de continuer encore un peu. Et donc, oui, effectivement, quand même, à voir pour la suite. Donc là, allez, petite phase pour savoir un peu qu'est-ce qui va se passer. Oh, oui, ceux-là, ils font quand même... Voilà. Quoi? C'était quoi ce combo? Donc, j'avoue que du côté des combos, je devrais m'amuser un petit peu davantage. Question de diversifier, ce serait quelque chose que je devrais prendre en note quand même. Donc là, allez, on continue. Petit moment d'hydratation, donc toujours très important. Je vous rappelle de vous hydrater tout le monde. Et donc là... Le mur qui devrait pas toffer très longtemps. Voilà. Et... Ah! Enfin. Un peu d'eau pour pouvoir ramener la santé. Et donc, sinon, je suis en train de me dire... J'ai hâte de voir un peu. Prochain point de sauvegarde. Je sais pas pourquoi. J'ai un léger feeling qui va être loin quand même. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, bon, j'ouvre la porte. Bon, j'ai le temps. Là, c'est vraiment un essai par contre. Est-ce que c'était ce que je devais faire ou... Peut-être pas, mais bon, c'est pas grave. Hop là! Des questions? Ah, et Farah, elle, qui déjà se met en poste dans le trouble en plus. Elle aime mieux de pas mourir, celle-là, quand même. Donc là, ouais, j'avoue, eux sont plutôt chiants. Oh là! Moment encore une fois de surexcitation de la part du prince. Oh! C'est chaud! Est-ce que je peux? Ah, dommage, je voulais enlever ma garde. Je voulais essayer quelque chose. Je sais pas si ça aurait été stylé ou pas. Mais ils veulent absolument pas me laisser faire. Donc. Allez, ça va être bon. Ça va être utile d'ailleurs. Oh! Oh, protège. Ça c'est fait. Ensuite. Ah, c'est bon. Lui qui tombe à point nommé. Donc il me reste juste ce gros quand même. Je sais pas trop comment je vais faire. Sincèrement, je sais pas. Donc là, vous voyez... Je sais pas si vous avez remarqué, il y a eu une petite attaque. Voilà, juste comme ça, direct entre les jambes. Je dois absolument faire gaffe à ce type. Oh, je sais pas si je vais avoir le temps d'aller chercher l'autre. Non, dommage. Alors que là, je suis un peu pris dans le coin. Non, mais c'est un truc de taré, quoi, les mecs.
Non, mais... Attendez. J'exige un peu de temps. Donc là, j'ai encore le temps. Donc, allez, on continue toujours. Donc là, déjà, ils m'ont pris en gangbang dans le coin. C'est salaud. J'ai encore un peu de temps devant moi. Et voilà. Ici, ça devrait le faire quand même. Donc là, c'est surtout que je veux aller aider Farah. Mais je sais pas, elle est où? Voilà, elle était ici. Cette cachetière, quand même. Elle se met dans les moindres recoins. Allez. Ouais, lui, par contre, faut faire gaffe. Et petit coup. Ah non, c'est rep. Malheureusement, ceux-là, ils sont à toute épreuve. Voilà, c'est un peu ce que je pensais, malheureusement. Non, dommage. Attendez, je vais reculer le temps un peu. Question de rallonger moindrement ma vie. Ouais, pas énorme quand même, hein, on va se le dire. Ah, et en plus, quoi, je me mange l'épée. Non. Sincèrement, il reste juste, c'est gros, quoi. Aïe. Et en plus, il y a le petit point de sauvegarde juste à côté. Allez, là, j'ai pas le choix. Je dois absolument prendre un petit peu plus de distance. Il y aurait pas de l'eau quand même pour m'aider. J'avoue que ça serait risqué, mais... Allez, faites de la place, les mecs. Un petit peu de ménage quand même, s'il vous plaît. C'est pas trop demandé. Est-ce que je pourrais essayer? Ah, dommage. Ah, dommage. Je me suis laissé prendre. Je gaspillais mes bulles de sable, tout simplement. Allez, Farah. La petite flèche qui met bien, s'il te plaît. Ah, non. Merde, je voulais pas sauter, quoi. Sincèrement, j'espère juste qu'ils vont se taper dessus, mais ils veulent pas. Oh là là, ça va être chaud quand même. Mais qu'est-ce qui me se passe aujourd'hui? J'ai perdu tous mes skills. Et là, moi en plus, dès le début de la série, qui disait « Ouais, mais moi j'ai fait du speedrun sur ce jeu lorsque j'étais plus jeune, je l'ai passé facilement. » Lorsque vous me voyez jouer présentement, vous devez se dire « Non, mais lui, c'est sûr, il me raconte de la merde. » Ah merde, il en reste un. Allez, il y en a un peu pas. Ah, il en reste même plus qu'un. Oh, 4. Avec le peu de vie en plus, ça va être chaud. Je sais pas. Le coup d'épée qui a passé au travers. Allez, Farah. Si tu pourrais m'aider, ce serait pas de refus quand même. Oh! Oh! Ils sont mieux de pas me taper ceux-là quand même. Là, possiblement deux faciles. Oh non, mais ceux-là par contre, c'est bien le dernier que j'avais envie de voir, sincèrement. Allez. On étire un peu le combat. Ah, on se protège. Ah, mais c'est dur, surtout que j'ai pas de vie. Ah non, mais le prince, je t'avais dit de te protéger. Là, par contre, je dois absolument éliminer ces deux ennemis. Oh, lui, par contre. Allez, on se garoche. Comme la... Comme la misère de ce pauvre monde, quoi. Oh, mais t'es sérieux? Allez, on recule, s'il te plaît. Non, j'ai pas reculé assez. Et là, le temps qui est presque terminé, j'ai pas donné. Ça va être chaud. Ça va être chaud également. Ah non, c'est bon, ça a passé. Là, le gros, par contre, il a mangé quand même une ou deux flèches. S'il pourrait lâcher prise... Ça me ferait plaisir quand même. Donc là, j'ai ma jauge de temps qui est en train de se recharger. Juste en dessous de ma barre de vie. Je sais pas si vous observez le petit cercle qui se forme. C'est tout simplement pour m'indiquer d'une certaine façon
Mon tank pourrait me rester dans le cas où je voudrais justement utiliser le ralentissement du temps. Voilà, donc ouais, il y a eu souvent le mot temps dans ce que je disais. Ça a été quand même compliqué. Mais bon, heureusement, on a le droit à un petit point de sauvegarde. Est-ce que je continue encore un peu? C'est la question que je me pose présentement. Allez, on se fait plaisir quand même. On se fait plaisir? Oui, on se fait plaisir, on continue encore un peu. Surtout que, bon, voilà, c'est une phase de plateforme. Je sais pas s'il va y avoir du combat, justement, pour le reste de l'épisode. Je crois pas. Sincèrement, je crois pas. Je crois que ça va être une phase de plateforme avec un petit point de sauvegarde par après. Et de toute manière, d'accord. Donc les points de sauvegarde, je reprendrai à partir de ce plutôt point. Bien. Donc là, allez, c'est reparti. Donc, il y aurait pas de l'eau aussi? Oui, non, peut-être. Je vais prendre ça pour un non. Donc, ici, il y a rien, quelque chose caché, non. Ah oui, de l'eau. De l'eau. Allez, on reprend. Et là, par contre, on doit aller sur cette stèle, sur cette plateforme. On court sur les murs. La cabosse. Ensuite, c'est ici. Ah, il y a une petite jauge de sable là, quand même. On va aller se la chercher. Est-ce que ça me... Ah, mais c'est merveilleux quand même. J'avais déjà oublié si ça m'en redonnait seulement un ou si ça me les redonnait tous. Et la réponse était tous. Donc, je les prends avec plaisir. Alors que là, je vais continuer à monter. Évidemment, Farah, elle, on va surtout lui éviter quand même de taper tout le boulot. Voilà, avec la petite échelle qui devrait la mettre bien. Alors que là, je vais ramener tout simplement la vue sur moi. Je n'en suis pas capable. Et donc là, ici, par contre... Ouh! Ah, quand même, parfois, l'univers... Imaginez quand même, ce jeu est sorti... En quelle année, j'avais dit? En 2002, si ma mémoire est bonne. Imaginez remettre ce jeu au goût du jour avec les graphismes d'aujourd'hui. Ça serait juste merveilleux quand même. On pourrait déjà de 1 améliorer le paysage. Ça serait quand même pas de refus. Ouais, quand même, ça serait extrêmement beau. J'avoue que c'est un petit fantasme. Là, sur le coup, j'y pense et c'est un petit fantasme. Ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ici que ça se passe? Telle est la question. J'imagine que oui, donc on va aller faire notre petit tour. Ah merde! J'ai oublié de ressauter. Allez. Hop là! Ah non! Oh! Quand même, j'ai été chanceux sur le coup. J'ai pu me ramener. Voilà, c'est bien joué. Petite médaille d'or quand même. Donc là, cette fois-ci, par contre, est-ce que je peux? Non, malheureusement. Évidemment. Donc là, petit piège quand même assez fastoche. Je dois avouer que ce serait ce serait quand même fort dommage de se laisser piéger ici. Donc là, j'ai pas le choix. Ah, c'est bon. Donc là, des fois, par contre, je dois avouer que c'est un peu embêtant avec la perspective. Donc là, ici, j'ai presque envie... Attendez, on essaie. C'est bon. Donc, au départ, je voulais marcher tranquillement et essayer de passer tout en priant presque. Mais bon, finalement, tout a été correct. Et on continue toujours à monter un peu plus haut, un peu plus loin. Donc, oui. Donc, dans le palais, voilà. Et donc, là. On descend ici, petite phase de combat cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Donc, ah, la fameuse échelle, je crois. Effectivement, la fameuse échelle qui était cachée dans les murs quand même. C'est tout un palais lorsqu'on y pense. Et il a été construit à main, quoi. Merci. Il n'y avait pas de technologie, eux. Il arrivait pas avec les bulldozers. Bon, allez, moi je me construis un palais ici en plein milieu des sables. No stress. Non. Mais bon, on est au-dessus de la fantaisie, donc. Il nous faut franchir ce pont. Farah. Allez, Farah.
Oui, non, peut-être. Est-ce que j'ai raté quelque chose pour que tu ne veuilles pas y aller? Et maintenant? C'est justement ce que j'allais suggérer. Et moi, en plus, qui écoute pas ce que le prince dit, donc ça, c'est un peu dommage. Est-ce que je dois... Non. Je partais pour dire, est-ce que je dois tout simplement courir après les murs? Mais finalement, non. Là, sincèrement, je vois pas trop. Non, c'est pas cette vue-là. Oui, c'est cette vue-là que je veux. D'accord, d'accord. Oh! Est-ce que ce serait ce qui nous intéresse? Je crois pas, c'est quand même assez élevé. Mais en même temps, j'avoue qu'il y a quand même une certaine logique. Attendez un petit instant quand même. Non. Ensuite, on monte ici. Et là, je sais pas, là, par contre. J'essaie un peu n'importe quoi. Et je suis en train de me dire que c'est une idée de merde. Voilà. Non, voilà. C'est effectivement, c'est une idée de merde. On va se le dire. Donc, je sais pas, c'est... Farah, sincèrement, je te déteste, quoi. Elle pourrait se forcer quand même un peu. Ah, voilà. Vous avez réussi. Mais bien sûr que j'ai réussi quand même. Tu me prends pour qui? Donc là, allez, on réouvre la porte. Donc, non, j'étais vraiment en train de me questionner. J'étais comme, mais quoi? Farah serait supposée d'y aller. Et là, je voyais clairement qu'elle voulait pas. Là, j'étais comme, non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Sinon... Sinon, je dois avouer que je m'excuse un petit peu quand même pour la caméra. Je dois avouer que elle me donne un petit peu le goût de gerber quand même. Là, est-ce que j'ai bien fait quand même de redescendre par ici? Ouais, peut-être pas. Certes, j'ai le point de sauvegarde, mais... Quoique, non, on va se la refaire finalement, le petit coup de plateforme. On n'aura pas besoin de refaire le détour non plus. De toute manière, je sais pas si je devais repasser par là par contre. Je dois vous avouer, j'ai pas trop cherché de midi à 14h. J'ai direct fait mon idée quoi. Et je suis parti. Ah non, la porte est fermée quoi. Sauf que... Voilà. Bon, sinon Farah, elle revient ou... Ah, c'est bon. Téléportation. Oh! Ok. Bonjour. Là, ce qui est chaud quand même, c'est d'éviter de tomber. Là par contre, le niveau de vie qui baisse énormément, s'il vous plaît quand même, un peu de respect. Parac semble pas tirer... Je sais pas, on dirait que ça lui tente pas de tirer des flèches. Ah oui, c'est bon. Finalement, elle en a tiré une. Et en plus, elle a trouvé le tour de manquer la cible. Sincèrement, je vais vous avouer, elle a pas besoin d'une mire quand même. Ah, c'est bon. J'ai évité un petit peu le gros dégât, donc ça, c'est bien. Là, moi, je veux juste reculer quand même. Question de me donner un petit peu plus d'espace. Par contre, s'il lâche pas Farah, là, ça va être une autre histoire, quand même. Farah qui va mourir. Ouf. Ensuite, voilà. Allez, Farah, tu résistes, hein. S'il te plaît, merci. Je compte sur toi. Eh, hey, mais est-ce que vous avez remarqué comment ils sont... Rapide sur la gâchette pour se relever. Un truc de taré quand même. Là, je dois faire gaffe surtout pour pas... Ah, c'est bon. Il a pas réussi à me capter. Non! Oui, c'était chaud quand même, mais bon. Farah qui reprend quand même un léger coup de couleur.
et un point de sauvegarde en plus. On est direct dans le milieu, quoi. C'est le bordel, c'est le gangbang. Oh! Voilà! Là, moi... Allez, je veux reprendre. Ça c'était bien fait. Para... J'exige... que tu survives. C'est une obligation, quoi. C'est non négociable. Je refuse qu'elle meure, quand même. La dernière chose que je veux pour ce combat, c'est de recommencer. Donc là... Il en reste pas long quand même. Oh, la petite flèche quand même. Là, elle a bien décidé son timing. Là, vraiment, merci. Et bingo cadeau. Ce qui veut absolument rien dire, mais bon, c'est pas grave. Donc, allez, sur ça, on va se reprendre full vie. Et on va s'arrêter ici. C'est pas non plus un épisode des plus dantesques, je dois avouer. C'est plutôt tranquille quand même, Prince of Persia. C'est le style de jeu qui, si j'aurais une bonne connexion, une connexion qui tiendrait la route, parce que là, bon, je suis en sans fil et parfois, lorsque j'en demande trop, je perds tout simplement ma connexion. Ce serait le type de jeu que je ferais en stream. Sincèrement, je ferais des live streams sur ce jeu. Donc, vraiment posé, tranquille. Facecam comme ça avec le petit chips, le petit coca quand même à gauche et à droite. Question de se mettre bien, on relaxe. Les viewers sur le chat en train de parler de tout et de rien et moi qui réponds un peu à les questions et j'ai de tout et de rien moi aussi. Donc sincèrement, ce serait le style de jeu que je ferais de cette manière. Donc bon, qui sait peut-être pour les prochains si je viens qu'à avoir une connexion un petit peu plus stable. Là, désolé pour le petit coup de caméra quand même. Et donc sur ça, on va s'arrêter ici quand même. J'espère que ça vous a plu comme épisode. C'était plutôt bien, on était posé, on était tranquille sur ce pop. Et donc voilà, voilou. Prenez soin de vous, portez-vous bien. On se revoit très bientôt. Salut tout le monde.